aujourd'hui, face à la modernisation et à l'augmentation des lignes de transport, on a un problème de financement très clair de ce moyen de transport, de ces moyens de transport. Il faut donc s'interroger pour trouver de nouvelles sources de financement afin que ce soit fait de manière équitable et éviter que l'usager soit pénalisé par cette hausse de l'offre de transport qui lui bénéficie, certes, mais qui doit être aussi financée par un équilibre entre les différents intervenants. Alors, les attentes de cette journée, c'est justement de trouver de nouvelles pistes de financement, comme je le disais, équitables entre les différents financeurs des réseaux de transport. C'est aussi de se poser la question de savoir s'il est normal qu'une autorité organisatrice des transports telle que Île-de-France Mobilité, certes, ait l'organisation à gérer, c'est-à-dire la compétence, mais qu'on ne lui donne pas les moyens de choisir ses modes de financement librement, de manière autonome. C'est un principe qui me paraît être indispensable, c'est un principe de décentralisation. Il faut donc avancer dans cette direction et je pense que ça fait partie notamment des enjeux de cette journée.